Good morgen, allez, Idan et les Jusres, aujourd'hui, le Lunishmat, Mourir Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Shlomo Binamin, Ben Mazal, Rachel Rachel Batsar, ainsi que l'Irfoua, Tessara Bat Beti Rivka, Rafael Zablon Ben Chayam Aliyah, Myriam Bat Hasida Edov Ben Yehudit, Betor Shar Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Choulin, Perekret Mishnah Bet, Tzorer Adam Basar Ubina, Bemit Pachat Achat. ובלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה ואין חוששים. On continue dans notre Mishnah à parler des lois de mélange de lait et de viande, avec à présent, צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אדם, במטפחת אחת. Un צורר, ça veut dire qu'il a, il va les réunir dans une seule... comment dire, dans un seul foulard, ouais, il veut faire son petit baluchon, il prend avec lui son repas du midi par exemple, il va prendre dans un même chiffon, il va mettre dedans dans un même tissu, il va mettre dedans un morceau de viande qu'il compte manger pour le midi, et un morceau de fromage qu'il compte manger pour le soir, et partir ensemble, donc il veut les mettre maintenant dans un même tissu, c'est ce qu'il a, c'est son cartable, par exemple. Eh bien, la Mishnah enseigne, il aura le droit, tzorer Adam, il pourra les réunir ensemble, faire un tzor, c'est un trousseau qui réunit plein de choses en même temps. Donc, tzorer Adam, basar ou gvina, un homme peut réunir en même temps de la viande et du poisson dans un même, bemitpachatachat, dans un même foulard, ou bilvad shelo yunog im zebazé, à condition qu'il veille à ce qu'il ne se touche pas. Parce que si on se touchait, il va y avoir des dépôts de matière de viande sur le lait, sur le fromage, ou de fromage sur la viande, d'accord? Que faire si ça s'est touché? Là, dans la Gemara, on parle longuement de ça, c'est un peu répondu dans le Barthénois qui nous dit que Ba'e Adacha, si ça s'est touché, puisque c'était froid, alors il faut juste rincer. Le Tiferet Israël rallonge un peu plus, il nous fait un petit concentré d'Alachot évoqué dans la Gemara, en nous disant qu'en fait ça dépend, il faut distinguer d'abord. Premièrement, il faut rincer que ce qui était humide. Si c'était de la matière complètement sèche, donc tu as beau les toucher, ils ne se touchent pas. Je ne sais pas exactement comment ça se présente, dans la mesure où toutes les viandes qu'on va consommer, ou tous les fromages, ils sont toujours un petit peu gras, donc finalement, c'est un peu plus... ça va être comme le cas d'après, mais en tout cas, supposons que tu avais quelque chose de franchement sec, c'était deux pains, imaginez du pain, avec quelque chose de sec comme le pain, qui se touche, et bien en théorie, on prend le pain cachère, on le mange, et il n'y a pas de problème, il n'y a rien à nettoyer. Ça, c'est quand on a du sec. S'il y a quelque chose d'humide, il faut rincer la partie. Rincer la partie, mais à condition que ce n'était pas gras. Si c'était gras, il faut faire un chif-chouf. Il faut adachav et chif-chouf. Il va falloir frotter, parce que dans ce cas-là, le gras, il se dépose plus. Donc, il va falloir frotter la partie externe. Le Tiferet Israël rapporte encore qu'il en va de même avec... C'est important de faire très attention à ça. Au pain. Le pain, ça arrive des fois qu'on est en train de manger du beurre et tout ça. Et puis, on va aller toucher avec les mains sales. On va aller toucher le pain pour le couper, pour faire une nouvelle tranche. Ce pain-là, il aura des graves problèmes, on ne pourra plus le manger avec la viande, sauf si on va lui couper la tranche, sauf si on va rincer la partie, si c'est possible de rincer du pain, c'est pas toujours possible en général même. Mais en tout cas, voilà, c'est une halakha qui est connue chez les gens qui la connaissent en réalité. Ceux qui étudient les 5 minutes, ils sont déjà au courant de ça. On a déjà évoqué le problème 2-3 fois, on a déjà étudié Bassar Bechalav pour Rochelle depuis maintenant les 8 ans, ça nous est déjà arrivé de parler de Bassar Bechalav. On avait appris cette halakha de Patch à la Shulchan Bassari, un pain qui est monté sur une table de viande qu'on n'a plus le droit de manger avec du lait. En tout cas, on revient maintenant sur notre sujet. On a fini de faire le tour un petit peu de la question de lorsque ça s'est touché. Donc, je reprends. La Mishnah elle-même, elle m'enseigne que tu as le droit de les mettre ensemble, à condition qu'ils ne se touchent pas. Et on a évoqué qu'est-ce qui se passe si ça s'est touché. Soit tu rinces et tu devras frotter. Parfois, on va peut-être te demander de couper la pellicule extérieure aussi. Rabban Shimon, maintenant, autre sujet. Même si c'est présenté dans la Mishnah comme si c'est une discussion, il n'y a aucun rapport entre les deux. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel enseigne. Shnei achsenain ochlin al shulchan echad. Deux personnes qui logent dans une auberge. Deux invités, deux personnes, deux étrangers, qui vont s'asseoir, donc manger dans la même auberge, sur une même table. Ochlin al shulchan echad, zebassar vezegvina. Auront le droit de manger sur une même table, lui de la viande et elle et lui du fromage, ven chochichin, et on ne craint pas que ça va leur prendre de taper la discussion et peut-être de se mettre à goûter. C'est-à-dire, on parle en réalité de deux étrangers, parfaits, qui n'ont aucun rapport entre eux, qui ne se connaissent pas, qui s'assoient sur une même table, un mange du lait et l'autre de la viande, hein, du fromage et de la viande, et
Eh bien, Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel m'enseigne, ils ont le droit de manger un à côté de l'autre. On va pas craindre que finalement ils vont se mettre à lui goûter son plat parce que c'est deux inconnus. Par contre, la Mishnah nous précise maintenant tout la halakhot et c'est fréquent. Ça peut être très fréquent même. Si toutefois ce sont deux personnes qui se connaissent, même s'ils se connaissent et qui font pas partie d'une même famille, chacun il a son compte. Ouais, ça peut être deux employés, deux collègues du travail. Chacun il arrive à l'heure du midi et chacun il sort sa gamelle, il va sortir sa petite serviette, il va sortir et va ouvrir sa boîte, comme ça c'était à l'époque de nos jours. Le fast-food, non, comment il va ouvrir sa boîte et il va là-bas, il va avoir sa petite gamelle avec dedans de la viande et l'autre il va ouvrir sa boîte et là aujourd'hui il mange du fromage. Ce sont deux copains, deux collègues, ils n'ont pas le droit de manger tel quel. Il va falloir, maintenant, ça c'est là, c'est précisé dans le Bar Tanoura, dans la Gemara, et le Tiferet Sivan nous rapporte de nouveau une grande solution, c'est qu'ils vont mettre un ustensile qui n'a aucun rapport avec le repas entre eux. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être prendre un stylo, le mettre entre eux. Prendre quelque chose, pas quelque chose qui fait partie du repas, ils ne pourront pas prendre une carafe d'eau et la mettre ça, en guise de Heker, ça s'appelle, en guise de reconnaissance. Comme un homme qui mange avec sa femme Nida, lorsque sa femme elle est Nida, il mange à table, s'ils veulent manger côte à côte, il y a un interdit qui prend ses restes, qui vont manger d'une même assiette. Dans ce cas-là, il y a aussi la même solution de mettre un Heker entre eux, de mettre quelque chose qui n'a pas de rapport. De prendre, ça peut être un livre qu'ils vont poser entre eux, ça peut être quelque chose qui est un petit peu. D'accord, qui est un intrus entre eux, et comme ça va leur rappeler qu'en fait il faut qu'ils fassent attention à ne pas manger l'un de l'assiette de l'autre, et même principe avec celui qui va manger avec son ami à table, lui de la viande et l'autre du lait, si on s'assoit à manger, ils vont devoir prendre, je sais pas maintenant, par exemple un téléphone, je sais pas si l'usage il est de mettre son téléphone quand on mange à côté de la table, de l'assiette, j'imagine que c'est pas tellement l'usage, peut-être on a peur que des liquides vont se renverser dessus, un truc comme ça, et bien si tu prends, tu mets le téléphone entre vous, ça s'appelle que vous avez mis un équerre, d'accord? Quelque chose qui va faire différenciation, donc ça va nous permettre de manger. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la slachakolto, c'est là.